Bonjour à vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Voici pour vous une mini guidance sentimentale pour le mois de décembre et qui résume vos énergies du mois de décembre. Et cette carte, eh bien, c'est la carte de la trahison. Alors, que veut nous dire cette carte? Alors, il est possible, dans un premier temps, qu'il y ait une personne qui vous a trahi par le passé, qui va souhaiter revenir vers vous. Parce que, ou alors peut-être que c'est vous qui va vouloir aller reprendre contact avec une personne. C'est possible que vous allez vouloir reprendre contact avec une personne finalement qui vous a trahi mais que vous voulez pardonner. Mais il y a également et principalement cette situation où c'est cette femme ou cet homme, mais l'autre personne qui va revenir vers vous pour d'une part pour se faire pardonner et d'autre part pour espérer de votre part eh bien avoir une seconde chance, avoir prendre un nouveau départ. Mais en tout cas par rapport à la trahison, il va y avoir ce besoin de pardon. Mais il est également possible qu'on vous mette en garde pour ce mois de décembre, parce que faites attention à ne pas être trahi. Alors que vous soyez en couple, en relation concrètement, c'est-à-dire sans forcément habiter avec la personne, mais il est possible que vous allez découvrir une trahison parce que, voilà, dû au confinement, eh bien, vous êtes peu vu et que vous qui avez promis de rester sage, de ne pas flirter, voilà, de ne pas flirter, de ne pas draguer sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, eh bien, l'autre personne, on va dire, a fait tout le contraire. C'est comme si qu'elle va craquer et que elle ne pouvait pas, eh bien, elle n'arrivait pas à tenir le coup, j'ai envie de dire, et qu'elle avait besoin d'aller sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, et pour justement mettre un peu de stimulation dans, je veux dire, dans son quotidien ou dans son pauvre quotidien, j'ai envie de dire, parce que moi, voilà, je ressens, c'est ce que je ressens. Il y a ce côté où cette personne, eh bien, a l'impression que ces journées sont monotones, sont fades, et que bah, du coup, c'est comme si que c'était une excuse pour cette personne d'aller, entre guillemets, de s'évader, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller ou d'aller sur un site de rencontre. Et ça, vous allez vous en apercevoir parce qu'il est possible que des gens qui la connaissent ou qui lui connaissent, eh bien, vont vous dire, au fait, t'es plus avec telle personne. Et vous allez dire, ben si. Ah, mais parce que je sais pas, parce que j'ai vu, elle est inscrite sur un site de rencontre, enfin, il ou elle est inscrite sur un site de rencontre, ou alors, ben, elle est venue me voir pour, voilà, pour, voilà, pour, avec, voilà, avec des messages un peu ambigus. Et c'est pour ça que je voulais savoir si, voilà, je voulais savoir si je pensais que du coup tu n'étais plus avec. Voilà pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.